Quel est ton principal défaut? Tu penses pour qui? Penses-tu pour te jouer des tours dans ce cas-là, par rapport à un ami? Je suis assez menteur. Oui, ça je sais, mais enfin je voulais pas en parler. Mais c'est un vice. Je ne peux pas m'en empêcher. T'adores ça? Ah, j'adore ça. C'est sympa, c'est ce que je préfère. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas? Non, mais j'aime bien. En plus, j'ai un défaut aussi. Je sais pas si c'est un défaut. J'aime bien en général. Je me fous de la merde. Un peu aussi. Il a un côté un peu provocateur. Non, pas bizarrement, toi. Mais raconter l'histoire entre deux copains, foutre la merde, après je leur dis que c'était des bêtes de marata, toi. Mais, ah oui, t'aimes bien quand même. J'aime bien foutre un peu, ouais, ça excite en fait, c'est excitant. C'est là le fameux regard. Faut bien savoir. Voilà le regard cruel. De certains amis qui t'avaient abandonné à l'époque et puis qui étaient revenus quand le creux de la vague s'était terminé, tu as dit oui, je les ai retrouvés parce que c'était pas cela, ça serait d'autres. Il y a là tout de même une forme de désabusé, d'un homme désabusé. Est-ce que tu es désabusé? Il y aurait que les visages changeraient, je veux dire, mais. Je suis désabusé, non, je me suis fait. Je me suis fait une raison. Mais c'est pas une raison dans la vie. Tu crois si peu aux hommes? J'ai un ami, c'est tout, un seul. Mon meilleur ami, c'est moi-même. Et vous vous entendez bien? J'en ai pas les joueurs. C'est bien, je suis Gémeaux, alors comme j'ai une double personnalité. Des fois, ça va. Ton côté Jekyll and Hyde. Des fois, ça se bagarre.